Ok, perfecte. Com Ok. Uh, bon dia a tots. Una altra vegada ens trobem. Un plaer tornar a trobar en aquest món francòfon. Jo, que soc d'anglès, penso que cada dia que tornant més francesa, eh? No sé. Deveu tenir alguna cosa màgica que enganxe. Doncs bé, avui tenim una altra vegada el plaer de tenir com a ponent l'Àlex Garrido, que ja sabeu si vau escoltar l'any passat la meva presentació. És el nostre... Ten, és un, el nostre nen acollit que tenim a Tarragona, els serveis territorials. És un auxiliar de conversa que ja repeteix per quatre anys, però clar, auxiliar de conversa és una de les feines que fa. L'Àlex és un joveníssim estudia, bueno, estudiant. Jo, no és promesa, ja, ja és més que promesa, ja s'ha convertit en una realitat. Vale? És un jove belga, però eh, que té com a doble nacionalitat belga i espanyola per part del pare i mare i va arribar aquí fa quatre anys a fer estudiar de conversa en un centre batxivac i no ho sé, ho hi va haver com una simbiosi i, i ja s'ha quedat aquí i ha repetit en, tres dels, en quatre centres batxivac que tenim aquí als serveis territorials. És un jove que té el grau de traducció per la Universitat de Brussel·les, però també ha fet altres estudis a la Universitat de Lovaina tot al, al voltant de la traducció i la interpretació. D'acord? Uh, també ha treballat, uh, ha fet pràctiques al Parlament Europeu, a la Comissió Europea, a la ONU, a Ginebra, i ha treballat també per a Amnistia Internacional, vull dir que té una àmplia experiència, tot i la seva joventut. I el que jo destacaria de l'Àlex és la seva professionalitat, el seu amor per les llengües, per la català, s'ha tret el, ca el seu de català aquest any passat, que li vam dir, si sí, et vols quedar aquí amb nosaltres, t'has de, de treure el català i ipso facto, ja té el català. Ara ja està fent el màster de, de professorat, vull dir que ja és una joia. No, no és que ho digui jo, és que ja ja, ja ho veureu. I bueno, és un enamorat dels idiomes, és un xic eh, responsable, bueno, d'aquells que ja dius, ja, ja no, ja no hi ha. Per tant, Àlex, tornem a donar-te les gràcies, gaudirem de la teva presentació. I, bueno, I sempre dic el mateix, per molts anys que continuem tenint-te entre nosaltres. I si has de marxar a un altre servei territorial, doncs, bueno, doncs, millor pels altres, no? Però, en principi, eh, no et volem deixar, eh? nosaltres ens serà molt difícil deixar-te. Per tant, Àlex, endavant i moltíssimes gràcies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, okay. Carmen. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Uh, se'm sem sent? Sí? Tothom sí. em sent bé? Okay. Sí, sí, sí. Eh... Uh... Bon, euh, je vais passer alors euh, au français euh, pour vous souhaiter à tous euh, la bienvenue à cette nouvelle formation BatiBac qui sera consacrée à l'épreuve orale. Euh, je m'appelle Alexandre Garrido et bon, j'aimerais vraiment remercier euh, tant Michel Angel que Carmen. Carmen, maintenant. C'est l'effet du direct, j'ai l'impression, euh, encore plus pour cette magnifique présentation avec beaucoup, beaucoup de compliments, peut-être un peu trop. <laughs> Mais euh, voilà, donc, comme, euh, comme elle l'a expliqué, je, cela fait maintenant quatre ans que je suis auxiliaire de conversation. Euh, et donc, tant mon expérience en tant qu'auxiliaire de conversation que mon expérience en tant qu'interprète de conférence m'a permis de vraiment. Faire connecter les deux, les, les deux, comment dire, les deux, ces deux vocations que j'ai euh, quant à la communication orale en fait. Et je pense que je peux peut-être essayer de vous apporter quelques petits conseils ou quelques méthodes pour euh, justement que l'on puisse ensemble trouver quelques bonnes, mm, disons quelques bonnes manières, quelques bonnes approches pour préparer les élèves à cette épreuve orale. Alors, sans plus attendre, commençons. Comme d'habitude, lorsque je dois faire des présentations, eh bien, je me calque vraiment sur cette présentation orale Bativac et je me pose évidemment une problématique. Euh, la voici, comment préparer les étudiants à l'oral bativac? Alors, cette problématique, elle me vient d'un constat, c'est que Lorsque l'on regarde par exemple les thèmes que, qui, qui entrent dans l'oral bati-bac, on se rend compte qu'il est très difficile de préparer les élèves parce que ça parle de tout et n'importe quoi. Tout peut euh, être susceptible d'être un thème bati-bac, en réalité. Alors que, d'un autre côté, la technique à appliquer, elle, eh bien, elle est très 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 stricte. Euh, on la verra, hein, mais c'est une structure bat -bac très, très très particulière qui alors est une sorte de carcan qui nous empêche un peu d'aborder tous les thèmes que l'on a envie de faire. Donc comment, comment combiner ces deux choses, hein, cette liberté que l'on a dans les thèmes, mais ce manque de liberté que l'on a dans l'approche Alors pour répondre à cette question, bah, justement, nous allons essayer d'avoir une approche un peu plus, d'abord méthodologique, didactique, mais surtout ludique, vous verrez. Évidemment, je parle de ludique, je parle d'interaction orale, euh, donc il fallait bien que nous prêchions par l'exemple. Hein euh, alors, je, au départ, j'ai pensé à faire un pire deck, c'est un... Un programme, en fait, qui est un peu comme PowerPoint, mais où le PowerPoint serait interactif. Mais je me suis dit que c'était peut-être un peu trop compliqué parce que le fait d'utiliser euh, la plateforme Zoom, puis euh, le chat du Zoom, par exemple, le chat que je ne peux pas voir euh, quand je présente, un autre chat pour PeerDeck, euh, ça allait être un peu trop compliqué tant pour vous que pour moi. Donc, je me suis dit que comme petite activité initiale, on pourrait justement avoir une interaction à travers Padlet, que vous connaissez probablement. Et sur Padlet, je vous ai posé cette question. Quelles sont pour vous les principales difficultés euh, de l'oral hein? Quels sont euh, les aspects les plus difficiles à travailler en classe Et comment est-ce que vous, en, en classe, vous, vous essayez au minimum de résoudre ces difficultés Alors regardons un peu les, les réponses. Et déjà, je tiens à, à vous remercier parce que... Je m'attendais à avoir deux trois euh, post-it, mais non. Euh, je vois que tout le monde a plus ou moins bien participé et euh, il y a vraiment mis du sien tant pour les démarches à appliquer que pour les problèmes. J'ai regardé un peu en, à l'avance, mais je vois que d'autres euh, messages ont été envoyés. Mais malgré tout, je remarque toujours la même chose. Vous voyez, problématique et manque de vocabulaire. Ok. Euh, manque de connaissance des sujets d'actualité, manque de vocabulaire, hop, on recommence. Donc, hein. c'est encore une fois, c'est une répétition. Manque d'arguments, ok. Euh, le lexique restreint, encore une fois, les manques d'arguments. Le manque de culture, le plan et la problématique, la structure, la prononciation, le manque d'inspiration, le vocabulaire, la structure, encore une fois. Euh, le manque d'arguments, encore une fois, et ici je vois l'insécurité et encore la structure. Ok, donc vous voyez bien qu'on a tous le même problème, ou les mêmes problèmes hein. c'est la structure, la prononciation dans une moindre mesure, euh, et puis euh, à la fois la connaissance du sujet comme étant vraiment sujet, hein, les idées par exemple, l'inspiration, ou la connaissance du sujet. Euh, pour Pouvoir justement le, le structurer, l'argumenter en réalité. Hein. Et euh, j'ai aussi regardé un petit peu à l'avance ce, ce que vous, vous avez proposé. Et lorsque je vois par exemple des schémas de présentation, hein, Mapas conceptoise, donc des, des, des cartes heuristiques, euh, lorsque je vois aussi l'analyse d'autres schémas, euh, des bric-à-brac, j'adore ce mot, bric-à-brac, euh, moi j'appelle Plutôt ça, bon, par influence catalane, ou poti poti, mais c'est ça, hein, c'est l'idée. Euh, c'est l'idée de créer une connaissance structurée, soit des thèmes, pour le cas d'un bric-à-brac, soit bah, justement de la structure avec un schéma. Mais cette connaissance, elle est collective. J'ai l'impression qu'on travaille beaucoup euh, le collectif, et ça, je pense que c'est intéressant. Parce que euh, justement, on doit, je pense, passer de cette méthodologie collective à une, co une méthodologie plus individuelle pour vraiment euh, rendre l'élève plus autonome. On, peut, on ne peut pas lui demander, en réalité, de faire même un oral de plus de cinq minutes tout seul s'il n'a pas d'abord une bonne idée de, de la méthodologie à appliquer et, et surtout s'il n'a pas encore les, les, les idées même hein, l'argumentation même. Donc, euh, je vois qu'on a plus ou moins la même mentalité, il n'y a pas vraiment de, de, de choses qui, qui, qui ressortent comme étant un peu particulières, et je, je suis assez content, justement, de voir que, eh ben, puisqu'on a les mêmes, les mêmes préoccupations, on va pouvoir les aborder ici, tant la structure que la prononciation, que la problématique, vous verrez. Alors, euh, je passerai un peu plus de temps par après euh, à l'interaction justement, à voir si j'ai pu vous aider ou pas à résoudre certains de, de, certains de, de vos problèmes ou certaines de vos difficultés. Euh, mais malheureusement, pour l'instant, j'aimerais tout de même euh, commencer un petit peu l'atelier, la formation. Donc, justement, regardons ce que l'on va faire. Mais avant, il faudrait voir quel est le défi. Que nous avons devant nous. Le défi, c'est simple, c'est, bon, vous le connaissez par cœur, donc je vais aller assez, assez vite pour cette diapositive, euh, une épreuve qui dure 40 minutes, 20 minutes de préparation, 20 minutes de passation, avec dans ces 20 minutes de passation, un monologue et une interaction. Très souvent, on considère que c'est le monologue, la partie la plus difficile, puisque je vous ai parlé de cette structure assez stricte. Hein. Euh, la voici. Introduction, développement, conclusion, logique, mais cette structure en trois points est elle-même divisée en trois points. Après, euh, dans l'introduction, il faut impérativement parler du document, parce que tout, tout notre monologue se base en réalité sur un document. Je reviendrai sur cette définition de se baser, mais disons qu'il faut avoir une réflexion personnelle, il ne faut pas faire un résumé du document, évidemment, euh, mais donc il faut présenter le document avoir une problématique, cette réflexion personnelle, cette question que l'on se pose toujours au début, et puis présenter le plan. Le plan de quoi bah De notre développement. Cela peut être un, un plan dialectique, donc euh, les pour, les contre, euh, un plan plutôt chronologique, passé, présent, futur, ou un plan que j'appelle de résolution de problème, où on définit le problème, on définit la situation on identifie les causes et après on parle donc des conséquences si le problème n'est pas résolu ou des solutions possibles qui s'attaquent très souvent paradoxalement aux causes. donc tout ça, c'est très théorique. Hein, mais c'est la seule partie théorique que vous allez avoir durant ma formation, je vous le garantis. Euh, ensuite, on a la conclusion. à travers la synthèse des documents, on répond à la problématique. donc on peut répondre à la problématique. Euh, d'abord et puis euh, faire la synthèse des documents ou l'inverse, qu'importe, mais tant qu'on répond à cette problématique, je l'avais déjà euh, abordé lors de, lors de mon premier atelier l'année dernière euh, pour la formation Bachibac, un des gros problèmes des élèves, c'est que qu'ils euh, ils ne se posent soit pas de problématique, soit ils se posent une problématique, mais n'y répondent absolument pas. Non, il faut, il faut y répondre. Et aussi, il faut y répondre sur la base des arguments. Parfois, les élèves se posent une question, ont déjà la réponse et les arguments, ce n'est que du, euh, de, de, comment est-ce qu'on pourrait dire, des, des quelques techniques pour gagner du temps, en réalité. Donc voilà, ça c'est la véritable structure. J'évite de parler de l'ouverture du débat. On la verra un peu plus tard, mais je demande toujours aux élèves d'éviter de faire une ouverture du débat. Euh, parce que ben en réalité ils ne savent pas vraiment gérer cette action euh, ils transforment leurs conclusions en arguments par exemple voilà ce n'est pas vraiment conseillé de le faire mais voilà ça c'est la structure oui très 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 détaillée hein très stricte par contre regardez les thèmes alors c'est des thèmes d'actualité oui vous l'avez identifié hein l'actualité de quoi De la France, de l'Espagne et du monde donc, tout ce qui est nouveau. D'accord euh, Ça parle de la famille, de l'éducation, oui, des émotions aussi parfois. Ok, donc euh, tout ce qui est aspect affectif et relationnel. D'accord Ça peut plus particulièrement parler de l'éducation. Ok, la francophonie et la mondialisation. Ok, donc le, le français dans le monde, mais pas seulement, aussi les relations dans le monde le monde anglophone que n'importe quoi. quoi sur la mondialisation. D'accord La vie quotidienne. Ok, tout ce qui est habitude. Parfait. Et les grands enjeux européens, et j'ai oublié d'ajouter les grands enjeux, tout simplement, euh, mon dieu aussi, hein, notamment euh, Covid, etc. Ok, donc en gros, c'est dans le monde tout ce qui est nouveau, relationnel, qui est euh, répétitif et qui est important ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. et vous voyez donc où est le problème et d'où vient ma problématique c'est que les thèmes sont larges mais la structure est stricte. et les critères aussi le, le sont hein. lors de ma dernière formation j'avais établi les critères communs je vous les montre ici euh, qu'il y a entre le B2 et le batbac parce que, c'est vrai que les grilles de lecture sont différentes, mais les critères sont communs. Il s'agit quand même d'un B2. Hein. Euh, donc, vous voyez ici la distinction des points pertinents et des exemples. Une espèce de hiérarchie des, des points. Hein. Une structure des idées. Donc, à travers cette hiérarchie, il faut aussi que les idées elles-mêmes soient reliées entre elles. Dans le débat, une nuance des propos, une réaction à l'interlocuteur. Oui, on cherche tant une interactivité avec l'interlocuteur, qu'une réflexion personnelle, hein, une nuance des propos. Et puis la Sainte Trinité euh, de la langue, hein, le lexique, la prononciation et la grammaire. D'accord. Rien de bien compliqué là-dessus. Mais encore une fois, ce sont des, des, des critères à adopter. Alors comment est-ce qu'on va répondre à cette problématique? Voici pour moi les grands problèmes transversaux, et vous voyez qu'on a plus ou moins les mêmes idées. Hein on a la prononciation, la structure et les arguments, la correction grammaticale, la langue autrement dit, et les thèmes et les documents. Je les ai mis à la fin pour une certaine raison. Et euh, après, ce sera vraiment la toute dernière diapositive qui ne durera même pas une minute, euh, l'interaction. Pour euh, que cette présentation soit un peu plus interactive, j'ai aussi prévu quelques activités. Euh, en fonction de chacun des, des chapitres que nous aborderons. Donc euh, le shadowing, Saint-Nicolas, et oui, je suis belge, il fallait bien que j'en parle, et les ODD, les objectifs de développement durable. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que tout ça, vous, vous le verrez. Donc, commençons avec la première partie, la prononciation, parce que je pense que c'est la partie la plus, disons, la plus facile à aborder d'abord. On pourrait se dire que la prononciation, bah, évidemment, la prononciation, c'est un problème de phonème, hein, c'est un problème de phonétique. Donc, ce qu'on pourrait faire, hein, c'est aborder cela comme, euh, comme avec l'alphabet phonétique international, disons. Oui, mais euh, pas que, en réalité, parce que on peut aussi avoir des problèmes de phonétique, même en tant que natif. Hein. Euh, vous voyez ce mot-là, que je ne vais pas prononcer. Euh, J'adore ce mot. C'est un mot qui a été complètement effacé, je crois, de la langue française pour une simple et bonne raison. Même les natifs ne savent pas le prononcer. Alors, évidemment, si vous avez une petite formation linguistique et que vous savez lire l'alphabet phonétique international, vous voyez à côté hein, que euh, ce mot se prononce gageur. Gageur, et pas gageur. Vous voyez la variante gageur unanimement réprouvée. Euh, le Larousse, ici... Euh, il est un peu méchant, hein unanimement réprouvé. OK, euh, vous voyez où est le problème Le E, en réalité, indique que le G qui le précède se prononce Je, hein, comme dans nous mangeons. Bon, en temps, si même nous, natifs, on a du mal à prononcer des mots qu'on voit, qu on, qu on, qu on voit euh, habituellement à la lecture, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'il ne faut pas étudier un mot. En fonction de sa prononciation ou plutôt sa prononciation en fonction de la manière dont il est écrit, même si cette écriture est par exemple phonétique. Ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est se détacher de la forme et garder le sens. Je vais expliquer ce que je veux dire par là, mais avant j'aimerais vous montrer quelques petites preuves de ce que je dis. Euh, selon, je crois que c'est Chomsky euh, qui parlait de ah non c'est Saussure, euh, qui parlait de signifiant et signifié. On a en réalité deux deux représentations d'un mot dans notre tête la représentation graphique et la représentation euh, phonétique et donc ça les deux n'ont absolument rien à voir lorsque l'on apprend un mot on apprend un mot de deux manières différentes euh, ce qui est donc important pour améliorer la prononciation c'est justement de travailler sur cette compréhension orale une preuve que le sens et la forme ne sont pas du tout liés hein Voici ce petit mème que j'adore tout particulièrement. Life is pain pain au chocolat, en réalité. D'accord. Euh, pourquoi bah Vous voyez le jeu de mots. Hein Life is pain et pain au chocolat. Pourtant, votre cerveau, à part ici, votre cerveau n'a jamais fait le lien entre pain et pain. Les, les deux mots se prononcent de la même manière, mais ce n'est pas pour ça que votre cerveau va commencer à le confondre. Même pour les élèves, hein, ce serait vraiment inhabituel pour un élève de me dire qu'il a pour me dire qu'il a très mal au bras, par exemple, qu'il a beaucoup de ah j'ai beaucoup de pain au bras". Pas... ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Hein. Une autre tentative de vous convaincre, c'est que euh, des mots tels que ceux-ci qui sont très longs, c'est pas le plus long de la langue française, il y en a d'autres, euh, sont assez difficiles à prononcer parce que directement euh, le cerveau lorsqu'il le voit, à ah, la lecture, il ne sait pas vraiment quoi faire. C'est trop long, c'est trop long. Euh, anti, je ne sais pas. Hein euh, comment faire pour le prononcer En fait, il faut fonctionner par sens. Et je le fais très souvent avec les élèves. Je demande aux élèves OK, prononcez-moi le mot constitué. Puis constitution, constitutionnel, constitutionnellement, anti, anticonstitutionnellement, anticonstitutionnellement. Et très souvent, bah, ça fonctionne. Les élèves qui au début avaient du mal à le lire, euh, bah, voilà, ils voient que par, euh, en, en procédant par la forme, ils arrivent à digérer ce mot. Dernier exemple, assez connu. Hein, ce texte existe dans absolument toutes les langues. Non, vous n'êtes pas devenu en 5 minutes de temps dyslexique. Euh, vous voyez ici, c'est euh, un texte qui a été euh, créé par euh, plusieurs académiques. qui... Bah, qui dit bien, euh, ce, enfin, il est auto-explicatif, on va dire, « Notre cerveau ne traduit pas exactement ce que voit notre œil. Influencé par son acquis, il reconnaît globalement les mots, sans se préoccuper de l'ordre des lettres. Les premières et dernières lettres lui suffisent. Si l'œil voit une succession de lettres, le cerveau prend le mot comme un tout et le compare à un mot qu'il connaît. » Ok, donc maintenant, on sait qu'il y a une espèce de représentation phonétique. Que l'on a dans notre tête. Comment la travailler alors On peut jouer avec les phonèmes, mais pas avec les phonèmes comme pour l'alphabet phonétique. On peut utiliser plutôt les techniques des logopèdes. Les logopèdes, c'est un, un belgicisme pour, euh, euh, en français de France, euh, or, euh, orthophoniste. Voilà. Vous voyez ici, c'est les virelangues. Les orthophonistes l'utilisent. Mais on peut aussi le faire pour nous. Hein c'est très utile. Et d'expérience, je vous garantis que ça fonctionne. Même, je veux dire d'expérience pour moi, même en tant que patient. Hein, je veux dire, pour euh, plein de raisons personnelles, j'ai dû passer plusieurs fois par euh, le cabinet d'un orthophoniste. Et c'est incroyable comme un exercice aussi, excusez mon français, euh, aussi con que ça fonctionne. Durant cinq minutes par semaine, prononcer la même phrase en boucle peut améliorer la prononciation de phonèmes. Alors, il faut bien choisir son virelangue. Hein. Euh, ça dépend de, de, de chacun. Mon préféré, pour moi, c'est ce, ces trois petits mots-là. Douze, douche, douces. Hein. Euh, vous remarquez déjà, directement, lorsque je le prononce, j'adopte un rythme. On parlera plus tard de cette prosodie. Hein. Mais douze, douche, douce. Si je commence à changer de rythme douce douce douce, j'ai plus de difficultés. On peut justement, hein, ça, ça ne dure que cinq minutes, donc pourquoi ne pas le faire en classe pour améliorer la prononciation. Un que j'utilise beaucoup, c'est le dernier là, vous voyez. Attends un temps ton 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 enfant tombe dans l'étang. Vous l'aurez probablement remarqué, il y a beaucoup de T, mais ce n'est pas le problème, c'est surtout le en et le. On, hein, euh, qui peut encore porter à confusion dans, dans même en, en bâti hein, je veux dire euh, pour le S et le Z sonore. Alors on a de tout, euh, on a le euh, par exemple poisson sans boisson c'est poison hein, ou un que je trouve même pour moi particulièrement difficile. Il faut que je m'entraîne. Hein, euh, la roue sur la rue roule, la rue sous la roue reste. Voilà, c'est des entraînements à faire, mais euh, je vous garantis, je n'ai pas vraiment d'explication, mais je vous garantis que ça fonctionne. Par contre, ce qui peut aussi être plus interactif, c'est de demander aux élèves de produire leur propre virelangue. langue euh, Ici, on est entre linguistes, donc je suppose que vous savez ce qu'est une paire minimale, mais euh, voici la consigne que les élèves eux-mêmes m'ont rédigée et que j'ai un peu. Euh, un peu changé pour, pour, pour le bien de cet atelier. Hein Mais voilà, corriger ces phrases dont l'erreur réside dans une paire minimale, puis faire suivre la phrase par une utilisation correcte du mot original. OK, qu'est-ce que ça veut dire ben, Essayer de créer une phrase où il y a une erreur de prononciation qui porte à confusion. Et... C'est vraiment ce que j'ai demandé aux élèves. Et les élèves me donnaient en réalité leurs propres erreurs. Euh, si jamais ils ont déjà fait un séjour linguistique, par exemple, je suis convaincu qu'ils ont au minimum deux trois, deux, trois expériences où il y a eu un, une erreur de communication à ce sujet, hein, ou un U, tout ça. Et, et voici quelques exemples que les élèves m'ont produits, vraiment très, très, très ingénieux. Hein. À la plage, il y a beaucoup de bagues. Ah oui, non, euh, de vagues. Par contre, on se passe euh, la bague au doigt, par exemple. Ou « ils sont finis leurs devoirs ». Typique aussi du comme hein, ça. « Ils sont finis » plutôt que « ils ont fini leurs devoirs hein. ». Euh, mon préféré, c'est le, le troisième, là. « Saturne est la plus belle des planètes ».« Saturne », pas « saturne ouais. euh, Ce qui est intéressant, c'est lorsque les élèves produisent leur propre... Euh, pas virlangues, mais à leur propre identification de paire minimale, ils vont faire beaucoup plus attention à ces paires minimales à l'avenir, en réalité. Et, et pas seulement à ces paires minimales, mais au phonème en particulier, parce qu'ils savent que le sens est différent si je le prononce comme ça ou comme ça. On peut aller un peu plus loin. Euh, je vous ai parlé de la prosodie un petit peu. Je sais, ça prend du temps, mais... Créer une petite pièce de théâtre. Pour euh, les élèves de BatiBac, il n'y a rien de mieux pour la prononciation, vraiment. Pas seulement de Bachibac, hein, je veux dire, euh, le Gabriel Felaté, par exemple, a une bonne euh, expérience de théâtre en français, euh, et pas seulement. Mais pourquoi le théâtre est aussi intéressant Parce que on joue non seulement sur la prononciation, mais aussi sur la prosodie, euh, sur le rythme, sur l'émotion. Et cette émotion est importante parce qu'alors les élèves s'identifient vraiment au personnage. Et on pourrait croire que les élèves les plus euh, conflictuels ou les plus euh, disruptifs euh, ne vont pas suivre le jeu. En fait, au contraire, parfois on découvre des talents. Hein. C'est justement ces élèves-là qui, qui travaillent le mieux. Parce que pour une fois, ils se disent bah Non, ce n'est pas, pas un cours, c'est du théâtre. Au départ, ils ne sont pas vraiment chauds. Hein. Au départ, euh, on leur dit euh, Vous allez créer une pièce de théâtre euh, Non. Mais après, lorsqu'ils jouent, hein, lorsqu'ils se rendent compte que leur, euh, leur jeu, littéralement sur la scène, scène euh, ou dans la classe, hein, euh, a un impact et a un résultat final, franchement, ils sont contents. Bien sûr, ce n'est pas facile à faire, mais ce n'est pas pour ça que l'on ne peut pas copier la prosodie. Euh, on peut copier la prosodie d'une autre manière. Par exemple, euh, en travaillant Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Hmm Il y a un livre audio qui existe, non Pourquoi ne pas utiliser le livre audio et demander aux élèves de choisir leur meilleur paragraphe ou leur meilleur, euh, leur meilleur passage et de le jouer De le jouer comme si c'était euh, non pas un livre audio, mais une pièce de théâtre. Juste une petite scène. Évidemment. Au départ, ils vont stresser et ils vont se baser sur la, la description audio. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que justement, ils vont calquer la prononciation du livre audio pour pouvoir jouer. Et le fait de jouer, alors qu'il n'y a pas d'indication de, de gestes par exemple, ou d'émotion, ils vont peut-être en faire trop jouer, ils vont, ils vont trop jouer, hein, surjouer, pardon. Euh, mais c'est intéressant aussi d'avoir cette, cette idée de euh, de prosodie, de jeu sur la langue. Hein. Tant que l'on parle d'imitation, voici ma première activité que je vous propose. Vous pouvez participer ou non, je ne vais pas vérifier. Euh, il s'agit justement du shadowing. Alors, pour ceux qui ont une petite formation en interprétation ou en traduction, je ne sais pas si on l'enseigne vraiment encore, euh, là, soit vous allez adorer. Soit vous allez vous dire oh non 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 c'est comme un flashback du Vietnam ça euh, qu'est-ce que c'est que le shadowing alors que ça vient de l'industrie de la traduction ah, pardon euh, alors alors que ça vient de l'industrie de, de la traduction je vois euh, ici qu'il n'y a pas de traduction pour le mot shadowing j'aime bien dire qu'il s'agit d'imiter un orateur comme son ombre Hein, comme son ombre, Shadow, ok euh, Pourquoi bah, C'est tout simplement imiter un orateur natif et répéter ce qu'il dit, mot pour mot, mot après mot. C'est un peu comme quand, euh, si vous avez des frères et sœurs hein, et que vous étiez petit, comme quand vous vous amusiez à l'imiter et à le répéter, à répéter tous les mots qu'il disait et ça l'énervait. Eh hein bien... Essayez de faire pareil avec euh, ma voix dans un exercice que l'on va faire maintenant. Euh, je vous invite donc tous à, à, à couper vos micros, à le faire chez vous à la maison. J'espère que vous n'êtes pas, par exemple, à la bibliothèque euh, ou, euh, ou euh, à la salle des profs. Euh, mais voilà, vous pouvez essayer. Vous verrez, ça peut être facile ou difficile. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que le comment dire, l'orateur doit parler de manière naturelle, comme je parle maintenant. Il faut des hésitations, il faut des, in des intonations, il faut des erreurs aussi. Euh, parce que je ne veux pas, si on, on commence à prendre un texte qui est lu, alors là, ce ne sera pas naturel. Hmm OK Vons, On peut commencer Alors, pour commencer... Voici euh, une petite interprétation qui ne dure même pas euh, même pas deux minutes sur euh, un, un petit sujet que j'ai dû euh, voilà que j'ai dû interpréter c'était c'est mignon ça n'a pas vraiment à voir avec le batch bac mais au moins voilà, on peut on peut inventer quelque chose à ce sujet euh, et je commence maintenant donc je vous invite à, à suivre ma voix à, à me répéter d'accord mesdames et messieurs bonjour à tous nous nous sommes tous amis de quelqu'un. Nous avons tous une idée de ce que c'est que l'amitié. Un ami, cela peut être n'importe quelle personne qui est prête à tout pour nous, n'est-ce pas Eh bien, laissez-moi vous présenter une, euh, un cas particulier d'amitié. Vous le voyez ici, il s'agit en réalité d'un chat, ou plus particulièrement d'une chatte, qui s'appelle Nelly. Et elle a adopté... Quatre bébés hérissons. Alors pourquoi, lorsque je vous parle de l'amitié, euh, j'aborde ce sujet avec une telle photo euh, Tout simplement parce que pour moi, c'est l'exemple parfait de ce que j'appellerais le remplacement familial. Vous le voyez sur cette photo, euh, ce n'est pas une simple relation, euh, disons, ami-ami, hein, entre euh, ce chat et ces quatre euh, hérissons. En réalité, Nelly est en train d'allaiter euh, ses quatre hérissons. Et oui, quelle est la petite histoire qui se cache derrière cette photo Eh bien, tout simplement, un jour, Nelly était, euh, disons, partie à l'aventure euh, hors de chez elle, hein, comme le ferait n'importe quel chat normal. Sauf que euh, sa, sa propriétaire s'est rendue compte qu'elle ne revenait pas à la maison le soir comme à son habitude. Donc elle a commencé à chercher dans son jardin et a trouvé Nelly en train de s'occuper se, de, de ses quatre bébés hérissons. On ne sait pas vraiment ce qu'il est advenu de la mère des hérissons, mais toujours est-il que maintenant, Nelly a littéralement adopté ses quatre bébés hérissons comme si c'était les siens. Donc d'une petite amitié, d'une petite découverte, on a... Euh, une sorte d'adoption presque véritable, puisque maintenant les hérissons euh, se baladent tranquillement dans la maison de la propriétaire. Maintenant, Nelly est la mère de ces hérissons. Donc, ma petite conclusion personnelle à ce sujet, c'est justement que Nelly représente à quel point euh, la, la famille, ce n'est pas seulement un lien de sang, c'est aussi un lien de cœur. Et après tout... Ne dit-on pas que les amis, c'est justement la famille que l'on choisit Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé hein, de cet exercice. Euh, pour ceux qui sont habitués, c'était peut-être un peu facile. Pour ceux qui ont moins l'habitude, c'est peut-être un peu compliqué. Euh, c'est difficile hein, de s'entendre parler et en même temps de m'entendre moi. Mmh. Euh, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que. Un peu comme quand vous chantez dans la douche, par exemple, avec la musique à fond. Hein euh, je ne sais pas si vous le faites, mais moi, ça m'arrive. Eh bien, peut-être si c'est des chansons en anglais, vous remarquerez probablement que votre prononciation s'améliore. Parce que vous ne calquez pas seulement la prononciation individuelle des mots, mais aussi le sens que veut mettre l'auteur dans sa chanson et l'intonation. Euh, et donc justement, là, c'est le même exercice, sauf que ce n'est pas du chant, c'est juste de l'oration, hein, de, de la communication orale. Donc n'hésitez pas à le faire, il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont, disons, naturelles. Euh, en général, on aime bien faire tout cela avec des TED, des, des conférences TED, TEDx par exemple, euh, parce que les orateurs sont très bons et très souvent n'ont pas de texte. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment une communication orale optimale. Et, et vous le verrez, ça améliore à la longue euh, la prononciation des élèves. On ne peut juste malheureusement pas le faire en classe parce qu'alors c'est un brouhaha incroyable, mais on peut leur demander par exemple d'écouter et d'essayer de le faire. Voilà, c'est une simple proposition, mais ça peut être aussi une manière d'améliorer la prononciation. Alors, passons à la, à la deuxième partie de ma de mon atelier, la structure et les arguments. Les arguments, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais comment faire pour qu'il y ait une bonne structure entre les arguments C'est surtout ça que je veux dire. Alors, j'aimerais citer une, euh, une collègue à moi qui a, qui a justement aussi participé à cette formation Batchibac, mais il y a, je crois, deux ans, Émilie Taverne, qui... Euh, avait justement considéré que pour la... avoir une bonne structure, il faut d'abord identifier les arguments du texte à travers ce qu'elle appelle une triple lecture, une lecture découverte, une lecture décodage et une lecture analytique. La lecture découverte, hein, tout simplement la première lecture. La lecture décodage, on regarde un peu les éléments du texte, le titre, la photo, l'auteur, etc. Et puis la lecture analytique, on va un peu au-delà. on regarde quels sont les grands thèmes. Que, quelle est l'importance des paragraphes? pourquoi avoir mis un paragraphe là? pourquoi ne pas avoir continué? Hein, pourquoi avoir décidé d'aller à la ligne? pourquoi quel est le lien entre les idées du premier paragraphe et du deuxième par exemple, etc.? et ça permet d'avoir une espèce de, de structure déjà de ce que représente le texte. sur la base des grands thèmes, c'est là qu'on peut demander, ok, quelle est la problématique? Qu'est-ce que je peux dire en plus de ce texte Et alors là, on a les plans euh, typiques, le plan dialectique, analytique, thématique, etc., euh, dont on a déjà plus ou moins parlé au tout début. Euh, mais ce qui est aussi important comme outil, ce n'est pas seulement cette lecture du texte, mais tout simplement aussi euh, ben, l'expression de l'opinion. On s'attend à ce que les élèves aient une, une réflexion personnelle, non cela implique forcément qu'ils savent comment exprimer l'opinion et pas seulement je pense que hein. il y a plein 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 d'autres manières de travailler cette expression de l'opinion alors regardons un peu comment est ce qu'on peut le faire en cours on peut travailler de la manière suivante soit pour vraiment la structure des arguments une fois qu'ils ont déjà cette opinion hein, après cette, cette triple lecture d'un document on peut leur demander de faire le brouillon de leur euh, présentation. Ce que vous avez plus ou moins tous appelé le schéma. Hein. On fait des schémas, on fait des schémas, on fait beaucoup de schémas pour euh, voir les liens entre les arguments, etc., les connecteurs logiques, tout ça. Oui, vous avez totalement raison, c'est une, une bonne technique à faire. Quelque chose qui s'y apparente, vous le verrez, c'est l'idée de produire juste l'introduction. Parce que quand on y pense, l'introduction, ben, c'est... C'est le schéma, hein. c'est le schéma de la présentation. En réalité, on présente le document, puis on donne la problématique, et on présente le développement rapidement, on donne le plan, n'est-ce pas? Donc c'est la présentation du schéma, en réalité. C'est parfait en deux minutes de temps d'enregistrement, par exemple, que l'on demande à l'élève en disant fais juste l'introduction. Eh bien, on a, on a déjà toute l'idée générale de la présentation. Et c'est beaucoup plus facile à, à corriger entre vous et moi. Hein. Euh, imaginez que vous avez 15 étudiants bachibac. Si vous leur demandez de faire un oral par, euh, je vais pas dire par semaine, mais euh, toutes les deux semaines, vous avez beaucoup plus de corrections à faire que si ce n'est que juste l'introduction, si vous voulez vraiment vous consacrer à la structure et aux arguments. Parce que en tant que... Examinateur Bachibac, on le voit aussi rapidement lorsque une lorsque un, une présentation orale va bien se passer ou pas. Au bout de deux minutes, on le voit, tout simplement avec l'introduction. Ensuite, pour travailler l'expression de l'opinion, on a évidemment les débats. Euh, il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont parlé de, de l'organisation de débats. Oui, 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 évidemment. Hein, évidemment, on prend des thèmes assez controversés et on organise un débat, soit euh, en petits groupes, soit en, en groupe classe, disons. D'accord. Mais on peut aller un peu plus loin aussi. On peut leur demander, par exemple, certaines techniques que vous pouvez aussi appliquer pour euh, la, la ligue de débat ou le contraire, des techniques de ligue de débat que vous pouvez appliquer en classe. Par exemple, leur demander d'adopter le point de vue contraire euh, que, que le leur. On pourrait prendre un, un sujet assez controversé en classe où il y aurait plus ou moins 50-50 de pour ou de contre, bon, plus ou moins, hein, et demander en réalité au pour de faire une argumentation contre et au contre de faire une argumentation pour. Au départ, euh, il, les élèves sont horrifiés. Ils se disent Mais non, jamais je vais trouver des arguments pour ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Faux. Faux. En réalité, c'est bien le contraire. Euh, très souvent, on a plus d'arguments et de structures logiques dans les arguments lorsque ce n'est pas notre point de vue. C'est très étrange, mais, mais ça s'explique aussi. Euh, lorsque l'on a un point de vue, euh, ce point de vue, il est aussi émotionnel. Et les émotions sont rarement... Bon, le cœur a ses raisons que... Non, c'est comment Le cœur a ses raisons que la raison ne saurait comprendre ou voilà. Euh, c'est cette idée-là, hein, c'est qu'on a un peu du mal à mettre des mots sur nos sentiments. Par contre, lorsque ce n'est pas nos sentiments, là c'est plus facile de trouver des arguments qui seraient logiques, hein euh, même pour des choses horribles, même vraiment pour des choses horribles. Euh, par exemple, euh, voilà, faire une argumentation pour la déforestation. Voilà, là directement, lorsque je vous ai dit ça, vous avez peut-être eu ce choc. Ouais, l'argument pour, le... ben, je, jamais, jamais, je trouverai des arguments. Ah ben si, euh, on peut avoir l'idée de développement industriel, l'idée de terre en friche, l'idée de production alimentaire, euh, les champs qu'on on a plus besoin de champs que de forêts, que ce soit vrai ou faux. Hein. Euh, tout ça peut permettre d'avoir déjà des idées un peu plus logiques, des arguments qui restent logiques. On peut aussi et c'est là qu'on rentre dans la partie un peu ludique des choses. Bon, on a déjà fait un peu de pièces de théâtre et de shadowing. Pourquoi ne pas appliquer des jeux du quotidien pour la structure ou les arguments Pour l'argumentation, le meilleur, je crois, c'est ce que j'appelle cette institution du monde francophone, le loup-garou. J'espère que vous connaissez le loup-garou. Hein c'est ceci. Euh, techniquement, je crois qu'en français, il s'appelle le loup-garou de tierce lieu, mais voilà, bon, euh, je crois qu'on dit « hello euh, » en, en espagnol. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que vos élèves ont entendu parler de ce petit jeu euh, un peu underground, qui, qui est vraiment passé inaperçu durant le Covid, je pense. Hein, euh, euh, voilà, tout, tout le monde, tout le monde connaît ce jeu, je pense, enfin, euh, du moins, tout, tout, tout les, tous les élèves. Hein, hein. Donc, si vous leur dites que le loup-garou c'est l'ancêtre et c'est l'ancêtre de Among Us et qu'en plus on y joue de manière présentielle là ils vont devenir tout fous alors pourquoi c'est l'ancêtre de Among Us bah, tout simplement parce qu'il s'agit rapidement de deux ou plusieurs imposteurs qui euh, qui tuent des, des éléments hein, qui tuent des, des membres d'une communauté et cette communauté doit débusquer, trouver qui sont les imposteurs Comment À travers des réunions. Ils font des réunions, et littéralement, ces réunions, ce sont des séances de débat. Hein. Ils débattent pour savoir qui est l'imposteur. Euh, C'est peut-être toi, non, je t'ai vu bouger la nuit, non, je t'ai vu faire ça, je t'ai vu faire ça, euh, je t'ai entendu, oui, mais toi, d'abord, tu as voulu voter pour un tel, pour, pour l'exécuter. Donc voilà, donc vous avez compris, en fait, il s'agit de débattre pour savoir qui la communauté va expulser ou exécuter hein, voilà pour, euh, pour essayer de débusquer vraiment les, les méchants évidemment il faut une bonne argumentation pour se défendre et la communauté a tout intérêt à débusquer les, 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 les méchants et non pas justement se tirer une balle dans le pied et, et exécuter des gentils des innocents hein. Donc voilà, c'est là tout l'intérêt de, de ce jeu, parce que je crois qu'à l'ESO c'est impossible de le faire, parce qu'ils n'ont pas encore, ils ont peut-être cette expression de l'opinion, mais ils n'ont pas encore cette facilité naturelle avec le français qu'ils pourraient avoir, donc autant là jouer sur les interactions, et le débat plus, devient plus intéressant. Euh, on a aussi un jeu que j'ai plus ou moins euh, bon j'en ai eu l'idée je ne sais pas si c'est moi-même qui l'ai vraiment créé mais voilà c'est ce que j'appelle le jeu du hors sujet je prends un texte je leur donne le texte mais je leur donne aussi déjà littéralement sur ce texte je leur donne huit problématiques et je leur dis parmi ces huit problématiques il y en a deux ou trois qui ne conviennent pas du tout qui sont des hors sujets en réalité et je leur demande de les identifier. Il y a peut-être une problématique que tout le monde directement va euh, éliminer, mais peut-être qu'il y a des problématiques qui posent un peu plus, qui prêtent un peu plus à confusion, on va dire. Et là, alors, c'est là que le débat commence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils débattent sur quoi Ils débattent sur comment faire un bon oral, comment trouver une bonne problématique. Donc, on, on fait d'une pierre deux coups. Ils débattent, ils expriment leurs opinions, et en même temps, ils Co-construisent, ils construisent hein, il, il construise de manière collective une idée générale de ce qu'est un bon oral, de ce qu'est une bonne problématique. J'ai même une fois essayé, euh, c'était un peu méchant de ma part, mais j'ai même une fois eu, essayé euh, de faire ce jeu en disant parmi les huit problématiques suivantes, il y en a cinq qui ne correspondent pas. C'est faux. Euh, en réalité, elles correspondaient presque toutes, sauf deux ou trois, encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'alors là, les, les élèves eux-mêmes deviennent ultra pointilleux sur ce qu'est une bonne problématique. Trop général, non, trop, trop spécifique. Oui, mais là, on, on fait un hors-sujet, ça n'a ça, 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 ça rien à voir. Oui, mais là, on parle trop de notre point de vue à nous, les jeunes, et pas de la société, etc. etc. et ça devient vraiment un, un débat qui peut être intéressant. Donc, je vous invite aussi à le faire euh, de votre côté par contre, ce qui peut être un peu plus adapté, à un, disons, à une présentation en ligne, c'est ce que j'appelle un travail guidé, euh, autrement dit, une construction collective ou non par induction guidée. alors, qu'est-ce que c'est que ça? là, euh, j'aimerais utiliser autre chose, j'aimerais utiliser un autre type de PowerPoint. Euh, justement, j'en parlais au tout début de ma présentation. Euh, j'aimerais utiliser Deck. Alors, pour ce faire, j'ai besoin. Oh, le char, bon, c'est fini. Euh, j'ai besoin de... de vous. Voilà. Je vais essayer de le copier dans le chat. Évidemment, je ne vois pas les gens, je ne vois presque pas le chat. Je vois ici. Ah, oups, pardon. Ah, malheureusement, je n'ai pas accès à ma souris. Ah, voilà, c'est bon. Je vous envoie ici le lien pour euh, l'application PeerDeck. Euh, vous pouvez vous connecter euh, quand, quand vous voulez. <laughs> et c'est un simple autre PowerPoint, mais un peu plus interactif, vous le verrez. Et, ah, et merci beaucoup, euh, Alex. Oui, c'est ça, exactement. Ce que j'avais oublié d'aborder, c'est que le loup-garou, vous pouvez l'acheter et avoir des vraies cartes ou l'imprimer en ligne parfaitement. Hein. C'est vraiment possible de le trouver en ligne et de l'imprimer. Ouais. Alors je vais voir déjà, je vois deux élèves connectés déjà, c'est parfait. Rapidement, euh, je, peux, je peux vous montrer ce qu'est ce PowerPoint, mais euh, disons que normalement, si je l'ai bien fait, c'est un PowerPoint complètement interactif. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur le PowerPoint. Si vous avez envie de passer à la diapositive 5, alors que moi je suis à la 2, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Si vous avez envie, bon ça c'est la version un peu plus payante, mais de dessiner sur euh, le PowerPoint, vous pouvez. Et donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très interactif pour les élèves. Hein. Bon, je vois déjà qu'on est 9, 10 étudiants, c'est déjà bien. On peut, on peut, on peut commencer. C'est euh, une activité que j'avais réalisée pour Noël. Alors vous voyez, normalement, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Mais si vous me suivez, là, je vous dis déjà que c'est, à la première diapositive, vous voyez déjà que c'est une, une présentation spéciale eh, Noël, entre guillemets. Pourquoi Bon, j'en je... Je, ai assez d'être redondant, mais disons que, voilà, je viens de Belgique, et en Belgique, on, on fête Noël, mais surtout, on fête Saint-Nicolas. Alors Saint-Nicolas, ce n'est pas seulement typiquement belge, c'est aussi euh, typique euh, des Pays-Bas et de la France, du nord de la France plus particulièrement. Mais si vous voyez à la diapositive 2, vous voyez ici euh, bon, Saint-Nicolas et, euh, et le Père Noël l'un à côté de l'autre. Oui, mais quand même, euh, regardez les, les, simili les similitudes entre les deux, non C'est un peu particulier. Les deux sont, sont habillés en rouge avec... Euh, Bon, pas une cape, mais des vêtements assez amples. Il y, a, euh, il y a un chapeau ou un bonnet dans les deux cas. Bon, vêtu de rouge, mais aussi un peu de blanc. Euh, parfois, dans, même dans le cas du Père Noël, un peu de doré aussi, hein, comme pour euh, Saint-Nicolas apparemment. Une longue barbe blanche. Euh, ils apportent des cadeaux aux enfants. C'est étrange. Et en réalité, même d'un point de vue linguistique, il s'agit de la, de la même personne. Saint Nicolas, ça ne se voit peut-être pas, mais euh, si l'on prend le néerlandais par exemple, Sint Nicolas ou plus particulièrement Sinterklaas, Sinterklaas, Santa Claus, c'est la même personne, vraiment, c'est la même personne. Saint Nicolas est plus, particuli plus particulièrement un saint euh, qui venait de Turquie, si j'ai les bonnes dans la tradition, voilà. Mais bon, vous voyez bien que là, la, la figure du Père Noël, on lui a retiré tout cet aspect religieux. Hein bon, et je ne vais pas vous mentir, Saint Nicolas n'a de saint que le nom. Hein euh, mais toujours est-il qu'il apporte des cadeaux aux enfants. Donc c'est très intéressant pour nous, parce que c'est vraiment une bonne tradition, euh, vraiment mignonne, n'est-ce pas Oui, vous êtes sûr Est-ce que vous avez passé les diapositives suivantes On est à l'université ici, donc voilà, il faut quand même que je dise qu'il y a un contenu sensible à ce sujet. Ceci. Oui. Parce que Saint Nicolas, ce n'est pas seulement Saint Nicolas, c'est aussi le Père Fouettard, ou euh, son nom, je pense, est pire en néerlandais, euh, Zwarte Piet. Alors Zwarte Piet, ça veut dire le Pierre Noir. Ouais. Bon, euh, est-ce que vraiment c'est une personne de couleur Vous le voyez bien Non, c'est une personne. Euh, à la peau euh, blanche, une personne caucasienne, qui se peint la figure selon les stéréotypes d'une personne de couleur. Bon, euh, personne de couleur. Hein Donc évidemment, c'est un peu trop stéréotypé, et vous savez peut-être que dans la culture anglo-saxonne, cela est devenu littéralement interdit. Hein c'est devenu euh, un, un symbole raciste de faire ça, ça s'appelle du blackface. Vous me direz, oui, mais euh, en Espagne aussi, on a ça, on a notre Balthazar. Oui. Mais, mais, la question s'est tout de même posée, notamment aux Pays-Bas et en Belgique, parce que on se demande vraiment qu'est-ce qui prime. Est-ce que c'est la tradition ou le respect? Parce que c'est vrai, la tradition, oui, Saint Nicolas, c'est une tradition, hein, c'est une histoire pour enfants. C'est anodin, vous me direz. Hein Peut-être pas, euh, parce que les origines même de la tradition est un peu floue. Saint Nicolas existe depuis bien longtemps. C'est une tradition plus germanique, hein, plus euh, de, de folklore germanique euh, et qui date même d'avant le christianisme, même si c'est Saint Nicolas. Hein. Euh, et il y a toujours eu cette idée de laquais, hein, donc de servant qui fait peur aux enfants. En Allemagne, c'est pire, mais euh, en... enfin c'est pire dans le sens il fait beaucoup plus peur. Mais chez nous le problème c'est qu'on a décidé de prendre la figure qui fait peur comme étant une figure bah, de personne de couleur et surtout si l'on regarde les vêtements eh bien le père fouettard est habillé de manière un peu euh, typique d'esclaves de, noirs durant la période coloniale euh, belge qui n'a pas vraiment été la plus... la plus sympa on va dire et on a aussi l'idée que oui, c'est peut-être une tradition pour enfants, ce sont des petites histoires, c'est pas grave. Mais vous le verrez, euh, les enfants sont facile, facilement influençables. Et donc ça oblige même l'enfant à voir le noir comme méchant et le blanc comme un saint. Vous comprenez donc où est le problème Alors, normalement, là, vous, pourrez, vous pouvez justement... Euh, vous pouvez justement normalement interagir avec cette, euh, cette diapositive. Je vous offre donc une alternative, et ce sont des vraies alternatives qui se sont passées, euh, qu on, qu on, auxquelles on a réfléchi euh, aux Pays-Bas ou en Belgique. Qu'est-ce que l'on fait avec cette idée du père foetard Est-ce qu'on supprime le père Est-ce qu'on garde le père foetard Ou est-ce que alors le père Fautard, on dit que c'est un ramoneur c'est quoi cette histoire de Ramoneur Alors, c'est un terme assez particulier. En espagnol, ça se dit « desolinador, et en catalan « escurra chiminea », je crois. J'ai fait mes recherches. Euh, bon, voilà, toujours est-il que, voilà, on, on se dit que cette personne, si vous voyez la, la, la diapositive suivante, vous le verrez bien, elle n'est pas noire parce qu'elle est noire de peau, mais en fait, elle est noire parce qu'elle est descendue d'une cheminée, elle nettoie la cheminée avant le passage de Saint-Nicolas. Sauf que ce n'est pas la vraie histoire. Qu'est-ce qu'on fait Alors, est-ce que je peux voir euh, vos, vos progressions Normalement, je vois vos progressions. Je vois, où, je vois si vous avez sélectionné quelque chose ou pas. Mais ici, est-ce que quelqu'un pourrait essayer de sélectionner une, une, une alternative, n'importe laquelle Je viens de le faire. Ouais. Allez. D'accord, c'est bizarre. Euh, c'est bizarre. Normalement, je devrais le voir. C'est peut-être le fait que j'ai beaucoup d'écrans où je présente en même temps. Mais normalement, ça doit se voir. Je dois voir les, les, les alternatives. Ah, c'est peut-être ici. Ici, voilà. Non, étrange. Ouais, vous voyez, j'ai plusieurs, euh, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai l'interface du Zoom qui se superpose à celle de Pierre-Deck. Vous comprenez pourquoi je ne voulais pas tout faire avec Pierre-Deck. Mais normalement, on voit les alternatives. Bon. Alors, continuons. Face à cette alternative, vous, vous avez après une problématique. On, je vous ai posé une question, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on fait euh, de, de, la, de la figure du père fouettard Vous pouvez peut-être transformer cette question en problématique. Donc pourquoi pas hein Et puis, si vous passez à la diapositive suivante, étant donné que vous avez un avis sur la question et que vous avez une problématique qui est formulée sur ce que j'ai présenté, vous pourriez peut-être justement justifier votre avis avec des arguments. Hmm. on supprime le père parce que c'est vraiment une figure euh, qui, euh, de notre point de vue, maintenant actuel du 21e siècle, est devenue raciste. ou okay. euh, on ne supprime pas le père parce que bah, c'est une tradition, euh, elle n'a rien de méchant, etc. ou on change le père et en disant qu'il est ramoneur, eh bien, ça, il n'y a, a plus de problème. vraiment, à ce sujet-là, c'est une personne blanche. voilà. comme vous voulez. Et puis, ben justement, on peut passer à la conclusion. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de ce que vous venez de faire, si vous avez eu le temps de le faire hein euh, vous avez, On vous a présenté un document, vous avez une idée, une opinion, vous avez élaboré, rédigé une problématique, et ensuite... Vous avez dressé la liste des arguments. Bah, tout ça, hmm, c'est vraiment la même chose qu'une euh, une présentation d'un brouillon, n'est-ce pas Alors, si on retourne à, à la véritable présentation, maintenant, voyons voir, je vais essayer de retourner. Voilà. Oui, donc, je pense que le problème avec PeerDeck, c'est que je ne vois pas les réponses. Ah, ici, peut-être, je vois les réponses. Ah, voilà, enfin je pense que je vois les réponses oui c'est bon c'est un problème de, de diapositive en fait voilà euh, ah oui je vois je vois vos votes vous les voyez aussi ou pas donc je vois trois, trois votes on garde trois votes on change on supprime OK. l'autre problématique est-ce qu'il y a des problématiques c'est une figure à connotation raciste il s'agit d'une figure démodée des nos jours on travaille voilà donc ça c'est plus des arguments qu'autre chose mais voilà donc Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de rester sur cette présentation euh, ad vitam aeternam, mais ça peut être très intéressant de faire ce, cet exercice parce que collectivement, qu'est-ce qu'on a fait On a créé un schéma qui ressemble plus ou moins à ça. Hein. Ça, c'est plus ou moins mon schéma de. Euh... De, de, du père Fetard. Je suis resté très neutre, justement. Hein. Euh, bon, mon schéma, mes propres notes, qui pourraient, selon moi, être encore plus, euh, encore plus travaillées, mais en réalité, ces notes-là, vous avez fait exactement la même chose. Vous avez, on a une présentation de documents, on a des pour, des contres dans le document, on parle surtout du père Fetard. Donc, moi, je me suis posé la question en quoi il dérange Et sur base de ces notes, vous pouvez ensuite demander à l'élève de faire une introduction. Juste l'introduction. Regardez. Bonjour. Je m'appelle Alexandre et je viens de visionner un débat intitulé Faut-il supprimer le père fouetard Organisé par Lycée et publié sur YouTube le 18 janvier 2023. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être publié sur YouTube. Euh, débat au cours duquel plusieurs arguments ont été avancés pour et contre cette obligation. En réaction à ce débat, je me pose la question suivante. En quoi la figure du père Fouettard dérange-t-elle Pour y répondre, j'exposerai d'abord les origines de cette tradition dans le nord de la France. Dans la, dans le nord de la France pardon. Je parlerai ensuite des stéréotypes entérinés par ce personnage et je présenterai enfin les possibles solutions à ce débat public. Vous voyez que l'on travaille tant le schéma que la manière de présenter le document avec des, des des phrases telles que euh, intitulé tata euh, ta, ta, publié sur écrit par hein, je me pose la question suivante la question avec une inversion pour répondre à la question j'exposerai je parlerai je présenterai ensuite enfin d'abord tout ça vous connaissez donc en demandant à l'élève juste de faire ça et de s'enregistrer on a déjà une bonne idée de si la présentation va être intéressante ou pas si elle est bien bien amenée, une hein on va dire. Ça va Alors, la correction grammaticale. Je serai, j'espère, un peu plus rapide. Pour moi, en réalité, les aspects de la langue, ils peuvent toujours être améliorés. Euh, personne ne parle français euh, à, à la perfection, même moi. Hein, je veux dire, c'est normal. Euh, par contre, il y a deux trois aspects grammaticaux auxquels il faut faire particulièrement attention, parce que, encore une fois, comme pour l'expression de l'opinion, de ce sont des outils à, à toujours avoir, à toujours maîtriser pour l'oral. Vous l'avez vu, une problématique, on demande toujours que ce soit une problématique. Peut-être, bon, la question sous forme indirecte, ok, c'est possible, mais c'est compliqué. Hein mais surtout, il faut une question à inversion. C'est le mieux parce que ça augmente le registre, vous le savez bien. Il faut parfaitement maîtriser la conjugaison, plus particulièrement le temps, ou plutôt euh, le mode euh, du B2, c'est le subjonctif, hein, vous le savez bien. Mm -hmm. Pourquoi bah, Peut-être parce que lorsque vous exprimez votre opinion, vous pouvez, vous, vous pouvez aussi dire qu'est-ce qui n'est pas votre opinion. Par exemple, je ne pense pas qu'il faille supprimer la figure du père Fautard. Ben voilà, là, on a des subjonctifs. Hein. Tant, donc, des aspects grammaticaux qui sont typiques du B2, que des aspects grammaticaux qui ne le sont pas du tout, mais qui continuent à être un problème en terminale. Les prépositions de lieu. Ouais. Alors, là, pour les pays, hein, là, vous voyez, les prépositions de lieu avec les pays, c'est quoi ça C'est du A1, du A2. Pourtant, ça continue à être un problème euh, les élèves qui me disent, OK, je suis à la France, ou je vais à la France, je vais en Mexique, je vais. Euh, voilà. Tout et n'importe quoi, sauf vraiment la forme correcte. Alors, c'est bête, mais il faut vraiment trouver des manières de travailler ça en classe. Tant les prépositions de pays que les prépositions que j'appellerais de publication. Parce que lorsque je dis que un débat a été publié par, hein, euh, sur, YouTube et pas dans YouTube. Pourquoi je dis sur Parce que sur euh, sur implique que c'est une page, une page web entre guillemets, hein, euh, ou quelque chose de plus visuel où on voit directement quelque chose. Dans, par contre, c'est dans un livre ou dans un journal. D'où la différence, euh, la différence entre euh, un exemple, un article qui a été publié dans Le Monde donc, autrement dit, il est physique, c'est un article dans le journal le monde ou sur le monde, sur le monde dans le sens sur le, la, la, la page, hein, le site, euh, le monde. alors, et aussi évidemment les, les relatives, parce que c'est des manières faciles d'avoir de la récursion. Hein, en, en français, c'est tout simplement une manière de parler plus avec des phrases techniquement simples. mais attention à la différence qui que... Hein. Et les statistiques, on le verra, les statistiques, ça pose un problème. Lorsque l'on présente un argument, on aimerait très facilement utiliser l'argument d'autorité en réalité, euh, que sont les chiffres. Mais il faut bien savoir présenter ces chiffres. Les étudiants me donnent tout et n'importe quoi avec les statistiques. Hein. Alors, un 40% des élèves, euh, des 40% des élèves, les 40% des élèves, le 40% des élèves, tout sauf 40% des élèves. Donc, comment est-ce qu'on fait Encore une fois, on pourrait adapter des jeux du quotidien. Par exemple, pour le subjonctif, ça ça m'est arrivé, ou euh, pour des cours d'été, le directeur euh, ou euh, bon, la, la direction, ni plus ni moins, m'a demandé en été hein, de préparer des élèves au bac. Oui, et d'avoir, de de, enfin, euh, qu'ils aient un bagage linguistique important. Avec euh, euh, surtout qui qu sachent déjà maîtriser le subjonctif. Mais par contre, oui, ils sont en c'est l'été, hein, ils doivent jouer aussi, ils doivent s'amuser et, et, et surtout ils doivent ils doivent jouer dehors s'il si, si, y a moyen parce qu'il fait chaud hein, à l'école. Donc euh, voilà, qu'ils jouent dehors, mais qu'ils jouent dehors avec le subjonctif. Ouais, d'accord. Au départ, c'est vrai que ça m'avait aussi fait rire d'avoir ce, ce type de commentaire, mais ça m'a fait réfléchir. Est-ce que parce que le subjonctif est difficile, ça doit d'office être théorique et lourd, hein lourd dans le sens pesade. Hein euh, bah Peut-être pas forcément. J'ai pensé alors à adapter un jeu du quotidien qui s'appelle Jacques a dit, hein euh, Simon says euh, ou euh, Simon dit. Mais au lieu de dire Jacques a dit, pourquoi pas le changer avec Jacques veut que Si je dis Jacques veut que, ça implique le subjonctif. Et à force de raffiner ce jeu, euh, je me suis dit tout simplement que j'allais tout le temps dire Jacques veut que, donc contrairement à la règle habituelle, mais que si moi-même je conjuguais mal le verbe, alors les élèves ne me suivent pas. Par contre, si je le conjugue bien, alors là, ils me suivent. Vous vous rappelez comment je disais au tout début qu'il euh, faudrait d'abord identifier à l'oral, par compréhension orale, certaines formes linguistiques pour pouvoir ensuite les produire. Hein. Il faut identifier par exemple les différences entre les phonèmes pour pouvoir ensuite les, le, le faire. Hein. Là, c'est la même chose. On peut justement appliquer cette idée qu'il faut d'abord comprendre oralement quelles sont les différences. Écouter vraiment comme un enfant. Et se dire, ah oui, non, il y a une différence, le, le, le verbe ne se prononce pas de la même manière. Alors, rapidement, les élèves adoptent ce type de technique. Euh, ils se disent, euh, OK, si c'est un verbe en ER, quoi qu'il arrive, il faut, il faut suivre le professeur, parce que voilà, c'est Jacques veut que ça se conjugue, voilà, comme euh, les verbes en ER, sauf si c'est vous, mais voilà, je le faisais avec le tu. Hein. Jacques veut que tu euh, cours. Ah non, ce n'est pas un verbe en ER. Zut. Euh, Jacques, veut que tu, euh... Jacques veut que tu sautes. Et alors, tout le monde sautait directement parce qu'il savait sauter. Hein, voilà. Et lorsque c'est un verbe en « hier », alors là, oui, il faut voir euh, si ça termine par un « s » à la fin. Jacques veut que tu bondisses. Hein, alors là, ils, me, ils le font. Ouais. Et petit à petit, je faisais des pièges un peu plus compliqués. Euh, Jacques veut que tu dormisses. Ah, il y a le « is », ok, on le fait. Non. Mais euh, c'est bête et idiot. Mais petit à petit, ils avaient une compréhension du subjonctif. Ils se disaient non, mais on voit la différence, on l'entend. Et le fait de l'entendre, et forcément avec d'autres exercices plus typiques, euh, ça leur permettait déjà au minimum de savoir quand on utilisait le subjonctif et euh, comment, en, en quoi il se différenciait de l'indicatif. De là à la production, il n'y a qu'un pas. Hein Un pas difficile, certes, mais il n'y a qu'un pas. Pour la production, par exemple, de questions, pourquoi pas jouer au jeu du post-it Encore une fois, c'est un jeu tout bête. Euh, je ne vais pas vous expliquer les règles comme ça euh, de manière systématique, mais on se colle un post-it sur la tête avec un nom ou quelque chose euh, d'écrit. Et tout le monde, donc, sait ce que l'on est, mais pas nous. Et donc, on doit poser des questions. Pourquoi pas poser ces questions en français avec une inversion Et tant qu'on est sur des, des choses un peu modelables, pourquoi pas aussi euh, demander aux élèves bah, que les choses sur les post-it, ce soit par exemple des personnages de l'histoire, de l'histoire Bachivac, histoire de France ou d'Espagne Ou, euh, alors, les personnages de, par exemple, M. Ibrahim et les Fleurs du Coran, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup de personnages, mais voilà, ça peut s'appliquer à d'autres choses, aux émotions, à une scène, etc. Et donc, vous pouvez justement jouer avec ça. Un autre aspect de grammaire, que, le... alors ça, ce jeu, c'est est le favori des élèves. Je... Et moi-même, c'est vrai, je l'aime bien, mais quand je le vois de manière, avec un regard extérieur, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, en fait Vraiment, je me dis, mais ils... ils font du drill débile, bête et idiot de, de, de conjugaison, mais ça fonctionne et ils adorent ça. Alors, vous connaissez probablement le jeu de la bataille navale, ou du toucher coulé. Hein. Donc, on envoie une torpille imaginaire dans un, sur un bateau. Et, et comment l'envoyer ben, On utilise un système de coordonnées. Hein. A, 3. OK. Ben, au lieu de dire A3, pourquoi pas utiliser un tableau où il y a des verbes avec un temps Au lieu de dire A3, on pourrait dire... Euh, il finira. Évidemment, on peut le mettre dans une phrase aussi. Hein. Il finira ses devoirs demain. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est bête et idiot. Mais je vous assure que l'activité dure 40 minutes et les élèves, durant 40 minutes, conjuguent comme s'ils avaient un examen euh, où il fallait étudier le Bécherel par cœur. Ils conjuguent, c'est juste du drill, du drill, du drill, du drill, mais ils aiment ça parce qu'il y a ce, ce petit jeu en plus. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle en... en... Dans, en, en terminologie pédagogique, c'est ce qu'on appelle de la gamification, du gamification. Hein, donc, euh, voilà, on transforme certains, certains aspects, notamment de la grammaire, en jeu pour que ce soit plus attrayant, plus, plus motivant pour l'élève. Un dernier jeu, euh, notamment avec le style indirect, mais on le verra pour euh, mon, mon cas pratique, c'est euh, tous, les, tous les aspects du téléphone arabe. Donc, « telefonio roto hein, euh, », c'est l'idée de dire quelque chose qui est répété par une autre personne, et répété par une autre personne, et une autre, et une autre, et une autre. Et donc, forcément, l'information change. Il faudrait faire en sorte que l'information change le moins possible, et donc, travailler sur la communication de cette information. Et ça, c'est essentiel. Euh, vous allez le voir après dans un autre exemple de jeu. Justement, ici. Les thèmes et les documents. On a vu un tout petit peu comment, euh, comment, comment organiser les arguments, mais on n'a pas encore vu comment, sur la base d'un document, avoir des arguments. Hein? C'est ça l'idée surtout. Comment faire pour avoir de l'inspiration Alors, d'abord, ça implique encore une fois que l'on analyse le document de manière systémique. Il faut dégager l'essentiel du document. Le titre l'auteur, la source, la date et les grands thèmes, autrement dit les idées et les liens entre ces idées. Comment faire pour transformer cette idée d'application de, de, du document, euh, enfin de présentation du document, en jeu On peut d'abord avoir une, une étape intermédiaire, qui est le jeu de description. Par exemple, de décrire une photo. Vous prenez une image stock, donc libre de droit, n'importe laquelle. Moi, j'avais pris par exemple là l'exemple d'image euh, sur le voyage, Voilà le tourisme. Deux petites images. Et je demande aux élèves, après avoir vu, il y a un lien sur le côté, hein, je, ne vais pas, je ne vais pas cliquer dessus, mais c'est un lien sur euh, euh, d'une université en en audiovisuel sur comment analyser une image. Il ne faut pas être aussi précis, mais une fois que l'on a donné plus ou moins l'idée de premier plan, euh, second plan, etc., le centre, l'image est floue, elle est nette, euh, etc., et bien là, on fait jouer les élèves. On leur demande tout simplement de dégager l'essentiel de cette image pour pouvoir la présenter à quelqu'un. À quelqu'un qui pourrait, par exemple, la dessiner. Et là, ils vont rapidement voir que ce que eux voient et ce que eux considèrent comme important n'est pas ce que l'autre personne a besoin pour dessiner. Très souvent, avec euh, par exemple cette image, euh, la, la première image, l'image du couple là, eh ben, voilà, l'élève commence en disant "Alors c'est un couple qui se prend en photo et oui, mais avant tout ça, on a besoin de savoir si le couple hein, ou ces deux personnes, euh, elles sont au premier plan ou à l'arrière-plan, comment, comment elles sont, au centre, à droite, à gauche, à haut, en bas, euh, voilà. Tout ça, c'est important aussi. Et donc, ça permet de donner certaines balises déjà, même si c'est visuel, ça permet quand même au cerveau de se dire Ok, il y a une hiérarchie de choses à faire pour présenter quelque chose, que ce soit visuel ou non Et après, on peut passer à l'aspect plus, euh, plus linguistique des choses. Avant ça, comment présenter des thèmes Encore une fois, les thèmes, là, euh, vous les avez sur le côté, je ne vais pas les répéter. Vous m'avez parlé plusieurs fois bah, de cartes heuristiques, de mapas conceptuels. Hein c'est très bien. En fait, c'est une très bonne idée de présenter les thèmes comme ça parce que vous montrez alors que les sujets ont tous, les, ont, ont tous des liens entre eux. Hein On peut demander aux élèves de le faire aussi, que ce ne soit pas juste nous. Hein on peut le faire de cette manière-là, ou créer un glossaire, par exemple, potipoti, poti, ou euh, ah, le mot c'était bric-à-brac, c'est ça, euh, pour, pour certains d'entre vous, c'est l'idée de créer un lexique de tous ces thèmes, et que ce lexique soit collaboratif, participatif. Encore une fois, ça donne l'idée de conscience générale de la classe. Et dans le cas de l'actualité, par exemple, ce que je fais souvent, c'est, je détermine à l'avance avec un calendrier. Bon, les, les, les élèves se disent victimes, donc je vais, je, vais, je vais utiliser ce mot, la victime de la semaine. La victime de la semaine qui doit, euh, en fait, euh, moi je l'appelle plutôt le rapporteur de la semaine ou le journaliste de la semaine, euh, qui doit tout simplement parler d'un sujet d'actualité. Pourquoi bah Parce que si les sujets d'actualité sont aussi des grands enjeux. Hein, et sont susceptibles de sortir au bachiavac. Si depuis le début de l'année, on commence à faire en sorte que la, les, 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 euh, les élèves, que ce soit une personne par, euh, par semaine ou plus, hein, qu'ils lisent l'actualité, c'est déjà très, très positif, surtout lorsqu'ils font après une présentation orale de 3-4 minutes sur ce sujet d'actualité. Parce qu'encore une fois, collectivement, à la fin de l'année, toute la classe a eu une espèce de, de, de connaissance générale de l'actualité qui peut servir au bachibac. On peut aussi, nous, en tant que professeurs, prendre des sujets plus généraux. Si je vous montre ça, ça vous dit peut-être quelque chose. Hein vous en avez peut-être entendu parler, notamment avec la, la réforme éducative, les six vecteurs, etc. Ça vous dit quelque chose. Les objectifs de développement durable. En fait, ça, c'est vraiment un thème qui pourrait me prendre les deux années de BatchiBack. Je rigole pas. Euh, pourquoi bah Regardez un peu ces objectifs la pauvreté, okay, donc l'aspect économique la faim ok. la santé l'éducation l'égalité entre les sexes l'eau l'énergie la croissance économique et le travail. L'industrie, l'innovation, l'infrastructure, les inégalités, les villes, les communautés durables, la consommation, la production responsable, les mesures de lutte contre le changement climatique, la vie aquatique, la vie terrestre, la paix, la justice, les institutions efficaces et le partenariat. Mais en fait, c'est tout. C'est tous les aspects de la vie. Hein Ou du moins, c'est tous les grands enjeux. Encore une fois, on revient à, avec ce terme. Si on compare le thème Batchibac et ça, bah on se dit que bah, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Donc pourquoi ne pas travailler cet aspect éclectique durant presque toute l'année Ça nous permet aussi de travailler au passage les vecteurs hein, que vous connaissez probablement, euh, tant d'un point de vue vocabulaire avec ou un petit poti, poti de, de, de lexique, mais aussi avec des cartes touristiques par euh, ODD, par exemple, de demander par semaine une personne qui présente un ODD pour avoir une idée générale, encore une fois, de l'aspect du monde, de comment le monde euh, est actuellement, hein, avec des chiffres euh, ou pas, tout simplement. Et c'est là que mon cas pratique intervient. Je me suis dit que les ODD pouvaient facilement, facilement être appliqués pour, euh, euh, appliquer à la méthodologie BatiBac. Mais pour ça, il fallait d'abord que les élèves aient une bonne connaissance générale des choses. Parce que ça ne sert à rien de demander aux élèves d'avoir des arguments s'ils n'ont pas encore fait de recherche. Alors, pour la recherche, d'abord, commençons avec cette première étape qui est la présentation, mais non pas d'une un, image, cette fois-ci, mais littéralement, pas visuelle, d'un texte. Et je demande à l'élève ceci. Alors, l'élève ne savait pas à la base que ça allait fonctionner comme ça. Ce que j'ai demandé à l'élève, tout simplement, c'était ça. Je donne à tout le monde un texte. Et je leur dis, pour la semaine prochaine, puisqu'on a travaillé comment présenter un document, hein, il faut voir la méthodologie avant, et que vous avez fait cette analyse visuelle d'une image et vous avez remarqué que les hiérarchies entre les idées sont différentes en fonction de si vous la voyez ou de si vous la présentez. Eh bien, j'aimerais que maintenant vous présentiez votre ressenti, mais surtout votre idée de ce qu'est ce texte-là. Vous me présentez ce document avec la méthodologie Batibac, donc une présentation de document qui ne durerait pas une minute, mais peut-être deux ou trois, hein, plus détaillée. Vous préparez à la maison. Ils préparent à la maison. Ils arrivent en classe et je leur dis très bien. Petit piège. En réalité, vous ne présentez pas devant moi. Vous présentez devant votre camarade et votre camarade présente devant vous par groupe de deux. Pourquoi Parce que pendant que le premier étudiant donc présente le document en ayant au préalable hein, déterminé la hiérarchie des idées, les idées principales, secondaires, les exemples, etc., l'autre étudiant prend note et c'est lui qui après présente le document en plénière, donc autrement dit devant toute la classe. Lorsqu'on est devant toute la classe, on peut se rendre compte de ce qui a changé, de ce qui manque, hein, des aspects qui auraient pu être améliorés. Et vous voyez bien que là, c'est le même principe que le téléphone arabe. C'est ce principe de je dois communiquer quelque chose avec les idées les plus importantes, les idées principales, etc., pour qu'une autre personne puisse ensuite bien la communiquer à l'autre. Donc on travaille la présentation d'un document. Ce document parlait de l'environnement, déjà à la base, mais d'une manière très générale. Ensuite, je me suis dit, OK, ça s'est bien passé, mais on a besoin de beaucoup plus de lexique sur l'environnement. Alors, que faire Je vais leur demander une expérience personnelle par rapport à l'environnement. Comme ça, ils jouent d'abord sur le lexique de l'environnement, mais aussi sur euh, l'expression de l'opinion. De, de hein on avait vu préalablement tout ça avec les débats et tout. Et là, je leur avais tout simplement donné ce petit papier en disant, voilà, est-ce que pour la prochaine fois, vous pourriez préparer, euh, ben, vous répondez à ces questions. Des questions très, 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 très spécifiques. Hein, vous voyez, pensez-vous que le recyclage est utile pour l'environnement Que fait votre région pour recycler Et vous Voilà, c'est un exemple, mais euh, ici, ça parle de recyclage, de pénurie d'eau, d'énergie propre, de transport écologique, gaspillage, gaspillage alimentaire, déforestation, pollution plastique et les gestes responsables. Tout ça déjà. En fait, c'est des termes, c'est des termes et c'est du lexique intéressant. Hein Gaspillage alimentaire, c'est déjà un terme que très souvent les élèves, euh, même en terminale, euh, ne savent pas vraiment comment utiliser. Hein. Malbaramment, je l'ai déjà entendu euh, plein de fois, malbaramment. Euh, donc c'est intéressant parce que les étudiants, de manière indépendante, eux, font une recherche sur tiens, comment je dis tel ou tel ou tel mot et aussi présentent leur opinion. Ils présentent leur opinion, hein, la fin de l'étape 2 c'est, ils présentent leur opinion devant, euh, pardon, devant tout le monde. Et c'est là que petit à petit une conscience collective se crée, parce que chacun a une idée générale, et en plus là on présente des termes, quelqu'un qui a déjà fait une recherche, et chacun est devenu plus ou moins expert dans son domaine. Si bien que là, je peux véritablement introduire en classe les ODD. Je leur demande plus ou moins la même chose, mais les consignes sont beaucoup plus larges. Ce n'est plus, plus des questions, euh, tiens, c'est quoi ton avis sur euh, le gaspillage alimentaire Mais, voilà, juste, j'aimerais une présentation orale qui dure euh, entre 3 et 4 minutes, voilà, euh, bon, 2 minutes si tu n'y arrives vraiment pas, mais euh, sur un EDD, un EDD parmi les 17, où tout ce que tu as à faire, c'est le définir, définir l'EDD non seulement l'objectif, mais aussi peut-être les cibles, cette technique un peu comme lexique, mais voilà, eux le eux connaissent. Euh, et voyons voir aussi si l'objectif, il est atteint ou pas. Comme ça, il présente les statistiques aussi. Et enfin, réflexion personnelle, quelle est pour toi l'importance de cet ODD Et là, il y a déjà eu une dynamique de groupe qui a été très intéressante, parce que presque tous les élèves qui avaient eu au hasard des, des, des sujets. Par exemple, je me rappelle celui qui a eu le, la, la, la pénurie de d'eau, hein, comment économiser l'eau, les gestes responsables pour économiser l'eau. Directement, il a sauté sur l'objectif numéro 6. Vous le voyez là en tout petit. Il parle de l'eau. Il s'est dit, bon voilà, je suis déjà expert sur l'eau, donc je vais prendre celui sur l'eau. bah ben oui, évidemment. Et, euh, et surtout, après... Chaque élève disait que son objectif était important et que c'était le plus important. Ben bah oui, celui qui prenait l'éducation disait, on ne peut pas euh, atteindre les autres objectifs si on n'est pas suffisamment sensibilisé, suffisamment éduqué euh, quant à l'environnement. Ou on ne peut pas euh, commencer à investir dans les énergies propres si on n'a pas, si on est trop pauvre. Voilà. On ne peut pas euh, commencer à, à penser à, à, à la richesse ou à la pauvreté si on n'a pas à manger ou si on n'a pas d'eau, do, etc. Donc vous voyez, hein, chacun pensait que le sien était le plus important, et ça permet de montrer l'interconnectivité de tous ces éléments, un peu comme pour tous les thèmes Batshivak. Donc on a la réflexion personnelle, on a l'idée que chacun est devenu expert dans quelque chose, et ensuite, forcément, on a fait une mise en commun. Je peux vous donner un petit exemple. Euh... Par exemple, ici, vous voyez, donc ça, c'est les vidéos. Et évidemment, euh, le mieux, c'est toujours de s'enregistrer se, de pour, euh, pour avoir une idée, euh, disons, non seulement de l'aspect linguistique, mais aussi du langage non-verbal, par exemple. Je ne sais pas lequel, euh, ce que quelqu'un a une idée de. Enfin, voilà, quelqu'un peut me proposer. Là, je la vois deux fois, donc peut-être pas, il y a eu un problème. Je ne sais pas. Bon, allez, celui-ci. Je, je ne sais même pas si vous aurez un, du son. Donc, vous entendez quelque chose ou pas Non, Alex. Non, il n'y a pas non. de non, non, mais... Dommage. Bon, euh, bah, vous voyez un peu la dynamique. À chaque fois, je présentais l'ODD le, le et je demande, je... Tout simplement, je lisais l'ODD et puis je dis OK, moi, je n'en sais rien. Est-ce que euh, vous pouvez le présenter Et chaque expert de l'ODD le présentait et euh, voilà expliquait tout cela devant la classe. La classe prenait note aussi du vocabulaire important. Donc, encore une fois, cette idée de collectivité. Et là, je les sentais prêts. Ils avaient exprimé leur opinion, ils avaient, euh, ils avaient pu présenter un document, ils étaient experts chacun dans leur domaine, mais maintenant, tout le monde pouvait avoir euh, accès à cette connaissance collective donc là on peut vraiment prendre un texte batchy back sur l'environnement considéré comme étant un texte compliqué et on va voir ce que ça donne et là qu'est-ce qui se passe eh bien on le met d'abord en commun tout ça on fait un résumé du document en commun puis un brainstorming plus d'idées ou euh, remue-ménage comme disent euh, mes amis québécois que j'adore euh, évidemment, ce brainstorming, encore une fois, il est guidé comme je l'ai fait pour le saint-nicolas. Euh, il ne il, il faut pas non plus trop guider, mais voilà, il faut essayer de voir si euh, la réflexion est bien est bien amenée. et durant cette séance de brainstorming, euh, eh ben, on a déterminé la problématique, les arguments, le plan général, le fil conducteur et la conclusion. Il nous manquait après les exemples et malheureusement à cause de l'interface, je ne me rappelle, je ne, je ne vois pas ici le, le deuxième, mais je crois que c'est euh, les plans, euh, le, 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 les, les connecteurs entre les idées. Hmm. Donc on a tout ça, ça a pris beaucoup de séances, vous le voyez. Est-ce que ça a servi Eh bien, vous pouvez le constater ici. Bon d'abord ici c'est un résumé de tout ce qui a été fait. La présentation d'un texte, donc, du document, c'était la première séance. Vous le voyez, j'ai noté toutes les erreurs et il, surtout, important, c'est un drive auquel les élèves ont aussi accès. Évidemment, je ne fais pas des corrections pour rien, mais euh, les élèves peuvent aussi annoter des choses. Et donc, vous voyez, ben, typiquement, ce que j'ai dit hein, les expressions typiques pour présenter un document, les prépositions de ce que j'appelle les prépositions de publication. Le texte traite sur, non, le texte traite de, mais porte sur. Hein. Euh, et puis les questions à préparer, typiquement quelques petites erreurs de grammaire, etc. Mais aspect intéressant, vocabulaire utile, approvisionnement, déchets, ordures, bio, recyclage, assainissement, allumer ou éteindre, débrancher le gaz. Hein, sur la prononciation. Ici les ODD, je vous ai dit que forcément s'ils doivent considérer que l'ODD est acquis ou pas. Ben les pourcentages, hein, les chiffres, le 80% des Français, non, 80% des Français, ta 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 ta, des petits problèmes de grammaire, hein, mais aussi, encore une fois, le vocabulaire utile pour présenter son opinion. On arrive à la séance 5 déjà, hein, vous voyez qu'on consacre beaucoup de séances à ça. Un peu de vocabulaire utile, mais surtout le texte. Le texte, c'était sur les associations étudiantes plus particulièrement des écoles de commerce, pour, enfin, qui se réunissent pour sensibiliser à l'environnement, avec deux exemples pratiques. Donc on a lu ce texte, on l'a analysé, et là, vous voyez minute par minute presque les propositions des élèves. La première proposition, elle n'est pas incroyable, elle n'est pas ouf, non. Euh, les entreprises ont-elles assez de responsabilités sur l'environnement entre vous et moi, c'est typique d'une problématique qui, aurait, qui pourrait sortir dans un oral hein, euh, qui, et qui n'est pas incroyable, incroyable. Pourquoi Le texte parle des jeunes et là, on voit des entreprises. C'est un peu trop limitant. Vous voyez ici, tout ça, c'est les réflexions qu'on a eues ensemble. Hein. Ça veut dire quoi Assez de responsabilité. C'est vague et surtout, c'est subjectif. Est-ce qu'on veut dire alors plutôt que les entreprises sont-elles responsables de l'environnement oui, mais les entreprises, qui est vraiment responsable Quelqu'un m'a dit alors, les, le gouvernement. Oui, mais les gouvernements sont responsables. Là, on s'éloigne beaucoup trop du sujet. On parle des étudiants ici. OK, alors là, une autre question totalement. Quelqu'un qui commence à parler et qui surtout dit quelque chose de moins limitant, une question plus ouverte, avec dans quelle mesure Dans quelle mesure l'éducation peut-elle. Et puis, euh, je ne sais pas si à cause du stress de devoir parler devant tout le monde. Euh, Là, elle cette personne s'est bloquée, et elle ne savait pas vraiment contribuer à quoi? Bah, et donc là, contribuer à quoi? Euh, bah à l'environnement. Et puis il y a encore eu un ajout supplémentaire de quelqu'un. On s'est dit, oui, mais à l'environnement, mais à, à la sensibilisation. C'était peut-être pas un, un ajout nécessaire, mais voilà. C'était vraiment la question que les élèves, après, collectivement, se sont posées. Hein, vous la voyez ici, c'est dans quelle mesure l'éducation peut-elle contribuer à la sensibilisation sur l'environnement? Là ouais, là ouais, c'est quelque chose de puissant. Là ouais, c'est une vraie vraie problématique. Hein. Si quelqu'un me fait une problématique comme ça dans un oral, là là, là je suis très content. Hein. avec aussi, j'ai rajouté cette idée d'expression de, interrogative pour euh, améliorer les problématiques avec un comment en quoi, dans quelle mesure, pourquoi, etc. Le plan, on s'est dit ben, d'abord plus d'idées, c'est après l'organisation. On, on s'est dit: il fallait définir le problème, et puis on se dit comment le sensibiliser au niveau individuel, collectif ou politique, avec ce qu'on a rajouté à la fin, un effet positif, c'est que les étudiants représentent quand même l'avenir. Avec la réponse à la problématique, l'éducation est essentielle parce que c'est l'avenir. Voilà. La toute dernière séance, là, on a rajouté les arguments et les liens logiques entre eux. Hein. Vous voyez, cause, désinformation, manque d'intérêt, tatatata. Est-ce que vous voyez un peu ce plan qui est littéralement, qui, qui, qui est grand, hein, qui est long comme une, une seule page, Word. Hein. Donc vous imaginez ce plan, lorsqu'il doit être prononcé après, il est incroyable. Euh, moi, je pourrais faire 20 minutes avec ça au minimum. Hein. Euh, et bien les élèves aussi. Bon, peut-être pas 20 minutes, mais leur demander de faire 10 minutes sur un sujet comme ça, pourquoi pas hein. Pourquoi pas Et c'est justement ce qui s'est passé. Les élèves ont fait chacun un enregistrement à la maison euh, et il durait 10 minutes. Pourquoi Parce qu'ils avaient déjà tous les arguments, ils avaient le lien, ils ont co-construit en réalité cette structure et donc là, il n'y avait plus aucun problème à ce sujet-là. Tout ce qu'ils devaient faire, c'est restituer toute la réflexion qu'il y avait eue durant ces sept séances. Vous allez me dire, oui, mais c'est beaucoup cette séance. C'est énorme, c'est un trimestre entier. Certes. Sauf que, je, que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces étudiants-là qui nous font déjà des oraux de 10 minutes, c'est des premières. Ce n'est pas des terminales. Donc évidemment, là, on a pris notre temps parce qu'il fallait tout faire depuis le début. Mais vous pouvez vraiment, je, je ne rigole pas, hein, on peut prendre n'importe quel oral, voilà, Alicia, Tatocao. Euh, évidemment, vous n'allez pas l'entendre, mais euh, là, je ne sais pas, je ne vois pas le, les minutes, mais je crois que c'est quoi C'est 9 ou 8 minutes ici euh, Les minutes ne font pas tout, je sais. Mais euh, évidemment, les, les minutes ne font pas tout. Mais quand on sait que ce qu'ils disent est déjà une bonne argumentation parce qu'elle a été faite collectivement, hein euh, ce qu'ils disent est, est, est bon déjà. Et il dure 10 minutes, il ne manque plus que les aspects de la langue, qu'on a déjà corrigé plus ou moins collectivement, n'est-ce pas? Donc, ils ont intrinsèquement une idée générale de comment un oral doit se passer et comment, surtout, il doit bien se passer, comment il se passe bien. Et là, ça fait du bien pour eux, vraiment. Vous comprenez? C'est cette idée d'investissement en réalité. On s'est dit, il fallait vraiment tout faire depuis le début pour qu'ils aient une idée générale de comment bien faire l'exercice pour après qu'ils rentrent, on va dire, dans la véritable situation d'avoir 20 minutes de temps, euh, de préparer avec des arguments un peu euh, bof, etc., parce qu'ils n'ont pas pensé à tel ou tel argument. Mais il fallait d'abord faire ça. Alors, et enfin, bon, l'interaction, très rapidement. Euh, l'interaction, elle sert à quoi Elle sert à corriger ou à préciser certains arguments, lorsque ils ont été mal amenés, mais aussi à aborder des sujets qui ne... Re qui n'aurait pas dû être abordé, faute de temps par exemple, euh, ou justement, pas nécessairement faute de temps, mais pour l'ouverture du débat. C'est là que l'ouverture du débat est intéressante, parce que cette interaction est un débat. Moi, j'essaie toujours en classe de faire en sorte qu'il y ait un esprit, un climat positif de proactivité, euh, que chacun profite de, de l'opportunité pour parler, et pour parler en français. Hein. Euh, même ces interactions un peu entre les élèves. Je, je fais toujours un commentaire pour que ce soit en français, euh, pour que le français devienne vraiment naturel lorsqu'il sort de leur bouche, on va dire. Hein. Euh, mais aussi pour qu'ils profitent de chaque opportunité pour parler dans le sens de, pas seulement me répondre par oui ou non, mais pourquoi, comment, hein, pourquoi tu te sens comme ça, qu'est-ce qui se passe, ta, 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 ta. Parce que la réflexion, même dans le débat et dans l'interaction, il faut qu'elle soit présente. Hein. Je cherche... Je ne cherche pas, euh, même lorsque je fais une question fermée lors d'un oral. Euh, ne penses-tu pas que euh, lorsque tu as euh, analysé les associations étudiantes et l'environnement, ne penses-tu pas que les adultes ont aussi leur mot à dire Voilà, je ne cherche pas un simple oui ou non ou oui, vous avez raison. Je cherche surtout une réflexion derrière. Hein. Je veux qu'ils profitent de ça pour parler. Après tout, c'est pas moi qui passe l'examen, c'est eux. Une autre idée de créer un climat positif pour qu'ils parlent, c'est ce n'est pas grave de commettre des erreurs. Et surtout, ce n'est pas grave de ne pas comprendre certaines choses. Il faut bien leur dire que l'incompréhension peut être multiple. Même pour un actif, il y a des causes multiples d'incompréhension. Sonore, parfois moi-même, je pose des questions un peu trop confuses, je dois le dire, c'est mon problème. Euh, ou même, vous l'avez vu avec le Covid, hein, le masque, évidemment, provoquait plein de problèmes de compréhension. Il faut surtout montrer qu'il n'y a pas de honte à dire je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez répéter la question Et encore une fois, ça peut être fait sous forme de jeu, avec un oui, non, etc., dans les réponses, mais aussi on peut leur montrer vraiment comment faire avec des telles questions comme excusez-moi, je pense ne pas avoir tout à fait compris la question, etc. etc. Alors, avant de passer vraiment à la vraie interaction, il, faudra, il faudrait quand même que je réponde à ma problématique, non on l'a pas oublié cette problématique. Comment préparer les étudiants à l'oral bachibac? Alors j'espère vous avoir montré avec les activités et le cas pratique de la fin qu'il y a, je pense, il y a au moins un chicha, non il y, a, il y a, de la matière avec cette idée là générale de que le bati implique énormément de motivation, hein tant de la part des élèves que des professeurs. Parfois le, la difficulté c'est de nous motiver nous mêmes dans cette dans cette profession, pas vrai Alors je pense que c'est pour ça justement qu'il est essentiel, dans la mesure du possible, euh, d'explorer des manières ludiques et originales, de sortir du carcan imposé par les conditions et les critères de l'épreuve. En définitive, ne perdons jamais notre âme d'enfant. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant je suis ouvert à n'importe quelle question, commentaire, interaction euh, que vous puissiez avoir.